De Revel. De Revel. Et oui, c'est de Tarn. Il y a 3-4 ans, c'était les ventes de Revel. Vous savez, on parcourt les rues et pendant qu'on fait les rues, eh bien, il se passe beaucoup de bonnes choses. Ne soyez pas troublés. On va chanter en playback, mais reste comme ça, enfin, c'est pas grave. Tant pis, je vous raconte mon expérience quand même. Vous savez, on parcourt les villes, on parcourt les villages, on fait les hôpitaux, on fait les places désignées, on fait pas mal de choses quand on bouge. Et dernièrement, Samuel vous a parlé qu'on a été à Montebérou, c'est à Montpellier, des quartiers très chauds, pour que la police ne rentre pas à l'intérieur. Et on a vécu une expérience là-bas très forte. Vous savez, là-bas, il y a des dealers, je vous promets. Je vous donne 10 000 euros pour rentrer dans les quartiers là-bas, tellement que c'est chaud. Et à un moment donné, Samuel prêche, et puis le frère qui est là témoigne. Et puis, je sens une autorité qui vient en moi. Et Dieu me dit de prêcher de telle façon. Il dit de prêcher de telle façon. Alors, il s'est passé quelque chose de terrible. C'est que pendant que je prêchais, Dieu me disait de dire des mots comme ça. Écoutez. Et je dis, voilà, on vient de loin, on vient vous apporter la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le monde est captif. Et je commence à dire, je dis parce que tu deals, parce que tu contrôles le quartier, tu te prends pour un caïd. Parce que tu as des hommes qui travaillent pour toi, tu te prends pour un caïd. Mais je dis, tu sais qu'est-ce que tu es en véritablement? Alors ça va peut-être vous choquer. J'ai dit, tu es un rigolo. J'ai tué un rigolo. Parce qu'il y a toujours un caïd qui est remplacé par un autre caïd. Et j'ai un caïd qui est au-dessus de toi qui s'appelle Satan. Et le seul qui a pu le dompter, le mépriser, l'écraser, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et quand je dis tu te prends pour un caïd, mais que tu es un rigolo, et moi je ne savais pas, il commence à sortir un pistolet. Il commence à sortir un pistolet. Et je ne voyais pas moi la scène. J'ai dit tu peux sortir une arme et me tirer dessus. Tu peux me tirer dessus. J'ai dit je sais que par rapport à ce que j'ai dit, je sais que tu es capable de sortir une arme et de me tuer. Mais je te dis ces mots-là parce que tu te prends pour un caïd. Je dis ces mots-là parce que aujourd'hui le Seigneur veut attirer ton attention. Et là, je sors un billet de 20 euros et je dis, tu vois, tu crois que tu as du pouvoir parce que tu possèdes cet argent-là. J'ai dit, tu crois que tu as du pouvoir parce que tu possèdes cet argent-là. J'ai dit, tu n'as pas de pouvoir. J'ai dit, par cet argent-là, tu apportes la mort. Des familles sont détruites. Mais j'ai dit, moi, j'ai un pouvoir. J'ai dit, les deux ont été écrits par les hommes. Un inspiré par le diable et un inspiré par Dieu. J'ai dit, ceci apporte la mort, mais ceci apporte la vie. Et puis là, on était en train de prêcher. Et je disais, moi, j'ai pas peur de mourir. Je sais que par rapport à ce que j'ai dit, je peux me faire tuer. Et j'ai dit, j'ai pas peur de mourir. Et j'avais tellement la certitude dans mon cœur que ça venait de Dieu. Il s'est passé quelque chose. C'est que, il y avait Dieu, il me faisait voir un garçon, je suis pas un prophète, mais Dieu me faisait voir une personne. Et il s'est passé quelque chose, c'est que ce garçon nous, par rapport aux mots que j'ai dit, nous a suivi tout le long. Il nous a suivi tout le long. Et d'un seul coup, tout le monde était parti. Tout le monde était parti, puis d'un seul coup, on s'est retrouvé tout seul avec le minibus là. Et dans mon esprit, Dieu me disait, va voir cette personne. Et j'ai dit, Seigneur, je vais le retrouver où là? Le quartier était immense, je vais le retrouver où? Et les garçons me disaient, Jonathan, ça serait bien qu'on y va, on va manger, on va se reposer un petit peu. Et puis, il s'est passé quelque chose. Regardez comment Dieu fait les choses. Le garçon est venu, deux garçons sont venus en moto. Ils nous ont bloqués devant. Ils nous ont bloqué le camion. Et ils ont commencé à s'approcher de Samuel et je ne savais pas ce qui se tramait. Et puis d'un seul coup, je commence, et j'ai dit, ça y est. J'ai dit, soit ils viennent et nous tuent par rapport à ce que j'ai dit, soit c'est Dieu qui les amène là. J'ai préféré choisir la deuxième option qui était que c'était Dieu qui les amène là. J'ai descendu du camion. Et j'ai commencé à parler. J'ai dit, écoute, j'ai dit, tout ce que j'ai dit, c'était pour toi. Si vous avez vu le garçon, en vérité, il me rebarre comme ça.
Il y avait un truc genre militaire sur lui comme ça. Ce que j'ai dit, c'était pour toi. Ça t'a vexé. Mais ce que j'ai dit, c'était pour toi. Écoute, je sais que tu étais capable de me tuer. Dieu me faisait voir. Tu étais capable de me tuer par rapport à ce que j'ai dit. Mais je te l'ai dit, tu sais pourquoi? Parce que toi, tu crois que dans ton cœur, les chrétiens, c'est de dégonfler. Tu crois que d'être chrétien, c'est d'être faible. Et à cause de ça, tu ne veux pas venir à Dieu. J'ai dit, tu vois, on est venu au milieu de ton quartier. J'ai dit, on est venu simplement armé de la parole de Dieu. J'ai dit, toi, tu étais capable de me tirer dessus. Et puis les deux garçons, ils ont fait ça. Ils m'ont ouvert les sacoches. J'ai dit, regarde ce qu'on avait, on allait tirer. Mais j'ai dit, tu sais pourquoi tu as ça, toi? J'ai dit, parce que tu as peur. J'ai tué quelqu'un qui a peur. J'ai dit, parce que tu protèges ton corps, tu veux protéger ton corps. Tu veux mourir, toi? Il me dit, non. Mais j'ai dit, c'est pour ça que tu as des armes. Mais j'ai dit, qu'est-ce que tu as pour protéger ton âme? Et j'avais la Bible, j'ai dit, regarde-moi ce que j'ai pour protéger. Gloire à Dieu. Vous savez ce qui s'est passé? Le garçon, là, j'ai dit, maintenant, je vais prier pour toi et pour toi. Il me dit, d'accord. J'ai prié pour eux. Des larmes dans les yeux, écoutez. Et j'ai dit, maintenant, si tu es un homme, viens ce soir à la réunion. Il dit, je te donne ma parole, je viens à la réunion ce soir. Il avait une dizaine d'hommes qui travaillaient pour lui, qui livraient de la drogue. Il a rassemblé les 10 hommes. Gloire à Dieu. Il les a amenés à la réunion. Même. Et il les a laissés d'un côté, et lui, il s'est mis là. Même. Et j'ai commencé à prêcher. Et quand j'ai prêché, cet homme était en train de pleurer. Gloire à Dieu. Et il m'a attendu jusqu'à la fin de la réunion. Il a dit, quand c'est la prochaine réunion? J'ai dit, je ne sais pas, les frères font la réunion, je ne sais pas quand. Ben, il dit, j'irai à la réunion. Voilà qu'est-ce qu'on vit. Alors ne craignez pas le coronavirus. Ne craignez pas ce qui peut tuer le corps, mais craignez ce qui peut tuer l'âme. Amen. Gloire à Dieu. C'est le plus important. Alors on va chanter un cantique. C'est beau, hein? Excusez-moi d'avoir témoigné. D'avoir...